Hey, salut YouTube. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur City Skyline. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au restylage. Oula, ça a bien poussé là, on dirait. Au restylage de la ville, un petit peu. Du coup, là, ce qu'on va faire, hop. Je vous réserve un peu des petites surprises quand même. Hop. Non, alors c'est pas ça, on va mettre... c'est lequel déjà, celui-là? Ouais. Hop, vous allez voir, vous allez comprendre les gars. Hop. Hop. Il y a plusieurs trucs que je voudrais faire, après on va peut-être pas tout faire dans cet épisode, il y a un truc que je vais faire en off je pense parce que c'est beaucoup de... Beaucoup de mise à niveau, on va dire, au niveau du... C'est une surprise. Vous allez voir. Vous verrez, vous allez comprendre. Hop. Ah, attends. Je vais me mettre à cette hauteur-là. Parce que j'ai besoin d'une grande hauteur, en fait, pour ce que j'ai envie de faire. En fait, ce qu'on va faire, c'est que là... À partir de là, on va partir sur une route, mais piétonne. On voit que j'avais commencé. Alors j'espère que je suis pas parti trop. Oh, pire, attends. Hop, je vais mettre comme ça. Hop. Hop, on va suivre une petite crête. Après, normalement, juste après en dessous, je vais pouvoir relisser pour qu'il soit vraiment dans l'eau. Là, ça fait une genre de petite rive. Une maison qui peut se construire sur l'eau, ce qu'on ne fera pas évidemment. Hop. Ah, attends, il veut pas construire. Comment ça, t'es dans l'eau? T'es pas dans l'eau, mon pote. Qu'est-ce qu'il me dit? Bon, attends, si je le fais passer par là, il veut ou pas? Ah, c'est parce qu'en fait, ouais, non, je viens de comprendre pourquoi il me dit que c'est dans l'eau. Donc c'est pas réellement dans l'eau. En fait, la surface elle est pas assez haute. Enfin, elle est pas assez. Peut-être descendre la taille du pinceau quand même. J'aurais pas dû faire ça avec un pinceau un peu plus petit pour le coup. Hop. Voilà. Non, attends. Hop. Yeah. Ah, par contre, ça m'a pas fait la rive. Aïe 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 aïe. Hop. Et on a pas tant que ça me fasse une petite rive comme ça, tu vois. Faut que ça fasse propre. Ah, mais c'est parce qu'en fait, faut qu'il soit. En fait, ouais, c'est parce que. En fait, pour créer une rive, faut que ça soit. Pardon. Ah, oui, non. Je voulais faire un CTRL Z, mais c'est vrai qu'il y a pas de CTRL Z là. Hop. On va dire, c'est faut que ça soit mis comme ça, genre mi-route pour être bien. Il me semble. Bon, si j'enlève tous les tracés là. Bon, en fait, il essaie de s'accrocher à des trucs. Ah, mais attends, c'est lequel pour s'accrocher à celui-là là, là. Hop. Là? Ouais, ça a l'air un peu mieux celui-là. Et on le refera peut-être après celui-là, parce qu'il me plaît pas des masses. Hop. Hop. Ouais, là malheureusement, je crois que... je me suis arrêté à un endroit où il est pile poil. Hop. De toute façon, là on va faire un genre de demi-cercle. Je pense parti comme ça, ça peut faire un peu. Comme on sent, t'es dans l'eau, t'es pas dans l'eau là. Attends, mais déjà tu veux pas. Non.
De quoi qu'il est de... Mais t'es pas dans l'eau. Ouh, nouveau bâtiment, un jardin d'épicure. Des espaces de vie luxueuses au sommet d'un restaurant haut de gamme. Oh, c'est un restaurant. Sympa. Sympa, sympa. On verra ça après. On a déjà essayé de finir ça, là. Il a l'air compliqué. Ok, attends. Ah mais tu vois en fait il me met pas en mode route, enfin il me met pas en mode rive. Ah attends tu cherches la bagarre. Faites lent comme ça je l'ai. Bah en fait visuellement il me le met, mais une fois que je le construis il me le met plus. Est-ce que c'est pas celui-là? Faut que j'essaye d'avoir Ok, mais il veut pas trop partir en arrondi là. En fait, je suis limité par le jeu en fait. Attends. Le jeu me limite là. J'aime pas ça. En fait, réellement, je suis pas dans l'eau là. Attends, ici, si je commence de l'autre côté. Peut-être plus simple. Après, je vais peut-être pas commencer à rara parce que le problème c'est que ouais, il y a le système de train. Hop. 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 Ici, il m'emmerde. Je vous le dis quand même. C'est spécialement ici. Même si je le mets comme ça, il veut pas. En fait, de base là, il croit que lui, il est dans l'eau. Mais il est pas dans l'eau. Il est en plus sur le terrain. Ah, ça qu'on a à faire des emmerdeurs, mon pote. Hop. Ah, c'est parce que le mec il proteste pour pas qu'on détruise chez lui. On va quand même détruire, mon pote. Pas négociable. En fait, faudrait que j'essaie de construire le plus loin possible. Voilà, genre comme ça. Ah, mais là, ça va faire une route, gros. Je teste, mais. J'ai un succès. Avez-vous déjà vu ça? Ouais. Mais après, ce que je comprends pas, c'est pourquoi lui il le considère dans l'eau, en fait. J'ai l'impression que dès qu'il a un peu la. C'est qu'en fait ça surélève juste un tout petit peu, pour lui il est dans l'eau. Alors que pas du tout. Hop. On va faire ça, un petit arrondi. Ça m'a arrangé que tu me dises que ça passait. C'est là techniquement on est d'accord qu'il est pas sur l'eau en fait. Ah, juste, ou alors, non, justement, il me dit qu'il n'y a pas d'eau. Attends. Non, dans l'eau. Je prends des éléments, ça, on s'en fout. Là, il me dit que c'est dans l'eau. Ou alors, c'est pour me dire que les maisons sont dans l'eau. Attends, je comprends pas. Attends. De toute façon, ça va dire. Ah ouais, attends. Vu des zones, en fait. Hop. Barrez-vous! De toute façon, les maisons, après, cette route-là, je vais la refaire après, mais c'est parce que les habitations vont être sur cette rive-là, en fait. Comme ça, ils auront directement vu à l'eau. Ce qui pourrait faire un peu plus propre. Non, c'était pas ça mon souci. C'est pas mon souci premier apparemment. Et je repars de lui. Est-ce qu'il est un peu plus convaincant? Est-ce que si je pars? Ouais mais il mettra à peine rive gros, c'est mort. C'est mort, je le vois d'ici. Je le sens. Ok, c'est pas celui-là. Peut-être pas lui. Non. Là normalement. Ouais, peut-être. Après, la force du pinceau était peut-être un peu fort pour ce que je suis en train de faire. Beaucoup, mais. Attends.
Après ça mange, ouais en fait ça mange pas des masses parce que vu qu'après là c'est plus trop de hauteur. Pardon. Parce que excusez-moi, c'était pas prévu le dôme là. Attendez. On va l'éteindre un peu. Voilà, c'est bon. Hop. Voir même, attends, on va reprendre par rapport à lui. Hop. Voilà, on va mettre mi-terrain. C'est pas grave. Après, c'est pas droit, c'est pas grave. Après, de toute façon, le jeu il va s'adapter tout seul quand on fera la construction des constructions. Hop. Oula, c'est pas ce que je voulais. Mais tu vois, il m'a créé un terrain, c'est pas ce que je veux en fait. Ouais, d'accord que là, on est sur un truc qui. Attends. Du coup, la force de pinceau, je vais le descendre un peu, je vais le mettre à 20. Voilà. Je pense que là. Que là il veut. Il me fait un peu de la merde là, non? On est d'accord? Il me fait un peu de la merde, je vais juste essayer de remodifier ça. Oh putain, ça me dégage trop de trucs. Grave. Ah merde, mais attends, je peux pas avoir un truc propre là? T'es sérieux là? Attends. Je crois que ici ça va être compliqué de faire un truc propre pour le coup. Ok, on va laisser comme ça. Nickel. Nickel les petits potes. Eux je vais les délocaliser. Enfin délocaliser. Façon de parler. Ce qu'on peut faire. Attends, du coup, faut que je baisse un peu ça. Le du pinceau, il est pas assez élevé, du coup. Hop. Parce que là, après, tu vois ça. Ah, alors je voulais faire l'inverse. Ah, attends. Ouais, je vais faire comme ça, ouais. Ah, hop. Pas des endroits où c'est trop haut, mais ça j'y peux rien, les gars. Je suis désolé. Lui, on va laisser comme ça. J'ai l'impression que ça va faire un truc chelou là. Ça dégage. Hop. Là. Après, ça fait des trucs bizarres parce qu'en même temps, le terrain il est pas droit. Hein. Ce qui est normal. Hein. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va partir de lui. Enfin, j'espère que ça va me créer quand même. Ah oui, mais lui, faut que je le déplace manuellement parce que c'est un bâtiment. Oh merde, je vais pouvoir le poser nulle part, ce con. En attendant, tu vas te délocaliser, si mon pote. Maison de Rockstar, je crois que c'était. Hop. Est-ce que si je fais ça, ouais, c'est bon, il fait la petite rive, mais par contre, t'as un peu trop de. Ouais, voilà! Ouais, un petit truc comme ça, voilà! Qu'est-ce que oui? C'est lui? Non? Ok, alors là, je pourrais pas dire. Sorte une petite alarme! Bah, vous l'avez dû entendre, hein, parce que ça vient du jeu, hein. Hop, atténuation un peu. Puis là, c'est une petite rive. Est-ce que je peux Alors, il veut pas me baisser ça. Là. Je sais pas pourquoi il veut pas. Enfin, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. De toute façon, ici, on va rien mettre. Hein. On va laisser comme ça. Ça, après, on va le remodifier après cette partie-là. Parce que je pense que je vais passer plus en souterrain que au-dessus du pont en fait. Mais du coup, vous les petits potes. Désolé de vous dire. Alors, c'est pas sûr. Ouais, au pire, je prends comme ça, c'est pas. Hop, 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 hop. Hop.
Après, je sais pas pourquoi ça me fait une habitation si petite. Est-ce que c'est parce que du coup j'ai la route derrière? Bah, du coup, de toute façon, je vais dégager la route, c'est pas bien grave. Ça m'enlève pas mal d'habitations, c'est un peu casse-couille, mais. Faut bien essayer de faire quelque chose de propre au bout d'un moment, les gars. De toute façon, c'est pour ça. Juste après, on va retoucher de toute façon juste après, hein. C'est pas grave. Ah, mais est-ce que du coup là il veut me construire des trucs? Ah bah voilà! Là je dis oui! Ah, je sais pas pourquoi il veut pas construire un mieux, mais. Hop! Alors là, bien sûr, on va pas construire, ça sert strictement à rien. Le jeu de toute façon il va tout mettre de niveau là donc. Hop! Hop, hop, et hop. Voilà, déjà là, ça va se construire. Derrière, on va repartir sur une... Moi, ce qui est dommage, c'est qu'ils font pas des routes... comme on avait avant, en fait. Route, bah, une route avec une voie de bus dessus. Une 2x2, ça suffit, hein. Pense, non? Bon, alors, ouais, non, une 3x3. Tout au pire, de toute façon, après, on aura la. On aura la. Comment ça s'appelle? Après, par contre, toi, la route, elle est pas forcément bien mise. Ah, oui, c'est bon. Hop. Mais les trucs qui. Attends, mais les trucs qui sont cons parce que ça se pète même pas tout seul en fait. Ok, c'est bon. Je vais aller décaler après un peu plus au rond-point, je pense. Hop. Comme ça, pile poil. Parce que le rond-point il sera un peu plus sur le côté là. Là. Je vais me mettre en attente. Après, ouais, j'ai prévu un truc. Mais faut que je voie ici. Faut qu'après je commence le terrain seul en fait. On va pas le faire avec vous, je pense que ça va être trop long sinon. Déjà, juste faire ça comme ça, c'était un peu long. Hop. Mais je trouve ça. En fait, je trouve que ça fait plus sympa d'avoir une route. Oh, au pire, vas-y, il y aura un petit. Il y aura une petite forêt derrière, c'est bon. Hop. Hop. Ah, il va pas vouloir que je la pose. Je pense que l'angle est trop important pour le jeu après. Hop. Je vais le poser juste là. Après, c'est pas grave s'il y a un petit. Il y a un petit jour entre les deux. Et après, on repart sur comme ça. Voilà. Ouais, voilà. On est sur quelque chose d'un peu quali. Bon, après. Après, j'ai remarqué que là, il y avait un truc qui était pas droit. Faut que je regarde quelle partie n'est pas droite en fait. Je trouve que ça fait dégueulasse, n'est-ce pas? Même là. Mais je crois que c'est cette route là qui part en biais en fait. Donc j'y pense, je vais juste la refaire maintenant. Il sera toujours ça de prix. Hop, c'était une 3x3 qu'on avait là. Hop. Alors, je vais partir sur une route droite par coup. Hop. Voilà. Là, c'est un truc. Alors maintenant, j'ai l'impression qu'il penche de l'autre côté. Mais je sais pas. Ah, c'est peut-être lui qui part en sucette, non? Ouais, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Bon, pour l'instant, on va pas s'en occuper. Pour l'instant, tu vois, on s'occupe de ça. Ouais, ligne de bus. Ligne de bus, je vais l'acheter, je vais la tège. C'est pas grave.
Je sais pas comment on peut faire pour remodifier la ligne de bus. Je vais voir ça après. Hop. Ouais, on peut partir sur des habitations ici. Hop. Alors côté droite pour l'instant, vu qu'après faut que je remette les routes pour retourner sur cet axe. Hop. Je vais le refaire maintenant et après je m'occupe de ce petit rond-point. Je trouve visuellement ça fait un peu plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est plutôt sur celle-là, je crois. Hop. Partir plutôt sur un angle droit. Voilà, nickel. Alors là, je pense pas qu'il veuille. Ah, si. Ok. Non, lui, je veux pas faire une route, je vais la laisser comme ça. Hop. Et en vrai, on pourrait partir sur des trucs un peu comme ça, là. Mais peut-être pas aussi. Peut-être juste comme ça, tu vois. Alors, par contre, je me suis mis aucune aide pour tracer mes trucs. Bon, depuis tout à l'heure, ça se met tout seul, ça va, mais. Que genre lui après, je pense que je vais le supprimer. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Manoir de comédien. Débloqué. Ah, je peux mettre des grands immeubles là. Ah, mais on n'est pas dans une zone où, où je pars sur des. Tu vois. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait la route là. Attends, il me faut du 180 degrés. Voilà. Ah là là, on est propre là. Là, je dis oui là. Bon, allez, je mets des petites habitations là. Là ça me fait chier parce que. Après là ce que je pourrais mettre, je vais peut-être mettre un petit parc ou un truc comme ça, je pense que ça peut être sympa. Après par contre je sais pas où eux se garent. Et techniquement ils ont pas. Ok bah je sais pas. Parce que normalement c'est, pour moi c'était une grande rue piétonne mais vas-y, c'est pas grave. Mais vas-y, je trouve que ça fait sympa. Hein. À voir quand ça sera un peu plus construit mais Ah, toi, t'as une maison abandonnée. Ok. Là, on va repartir directement. Là. Ouais. On est plutôt bien. Parce qu'ici, on va vraiment partir sur tout ce qui est immeuble, je pense. Je sais pas si je veux. Le jeu, il veut que je les construise maintenant. Mais je pense que pour... ouais, on va partir sur du 2x2. Ah, ce que je voulais faire aussi, avant qu'on avait dit, c'était modifier ce parking-là. C'est le problème du parking, voilà. C'était ça. En fait, vu que t'as beaucoup de gens qui veulent rentrer, bah forcément, ça crée un bouchon. Donc en fait, je devrais pas le mettre ici. Désolé les potes. Alors, titre d'image, je crois que c'était celui-là qu'on avait. Pas sûr, mais... Même pas sûr. En vrai, je pourrais pas dire. Ah non, c'était pas des commerces. Ah si, je crois que c'était bas commerce. Et haut immeuble. Ouah, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas besoin d'autant de commerce. Ah si, c'est ça. Vas-y, au pire, on part sur le même. Comme ça, ça fait les deux, c'est cool. Hop. Ok, et du coup, là, après on n'a pas besoin de partir sur des immenses parkings, en vrai. Quand en fait, on va partir sur deux parkings. On va partir sur un parking. Je voulais juste voir ce que ça donnait. Taille moyenne, qu'est-ce qu'il donne de taille? Ah ouais, ouais. Tu vois, moi je partirais plus sur du moyen. Le joueur, je pense, si on le met là, c'est pas une mauvaise idée. Et je pense que dans ce cas-là, on en met un, elle le met ici.
C'est comme ça là, il y a le bouchon là pour entrer ici, donc la deuxième ligne est bonne. Et là c'est à peu près pareil. Par contre en frais on va mettre 50 balles. Alors je crois même pas que ça soit 50$, je pense que c'est 50 cents en plus. Voilà, donc on revient à peu près même, là c'était un parking de 135 véhicules. Là au total ça fera 120. Parce que je pense pas qu'il y ait des parkings. Non, c'est pas des garages à parking. Des garages à parking, ok. On va peut-être picoler mon pote. Non, non, parce que des fois t'as des immeubles avec avec directement. Pas compris. Ah, faut qu'on voie au niveau de la ligne de bus. Type européen. Du coup, je peux en mettre un ici. J'ai une idée de bâtard. Attendez. Ce que je pourrais faire, c'est créer. En fait, faire la ligne de bus du coup qui passe par là. Hop, qui passe par là par un petit pont. Mais que pour les véhicules, genre taxi et bus. Attends, c'est possible. C'est-à-dire que lui, je le mettrais là. Là. On va dire au milieu, avant le pont. Là. En espérant que je le mette dans le bon sens. De toute façon, j'ai pas de sens pour celui-là. Ah merde, bah j'ai pas de sens pour celui-là. Ça me fait chier parce que moi, mon bus, il passe de l'autre côté, frère. Je voyais qu'il passe comme ça. Ok, et une ligne de bus. Ah mais problème, comment je peux faire pour supprimer des lignes de bus déjà existantes? Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est pas grave. Bah attends, je suis con parce que j'ai pas fait le petit pont là. Si je fais la ligne avant d'avoir fait le pont. Comment? Ah attends, c'était pas directement dans le menu bus, les menus. Ah voilà. Transport public, voie de transport public à sens unique. Pour ma double sens, ça nous sera peut-être utile à un moment ou à un autre. Chevauchement des éléments. Ah, mais parce qu'il chevauche la route, mais. Ah, mais au bout d'un moment, il sera obligé de chevaucher la route, en fait, ce con. Après, je peux partir comme ça, peut-être. Ça me plaît pas. Là, ça me plaît un peu plus. De quoi t'as pas de route? Qu'est-ce qu'il me dit? Je comprends pas parce que techniquement ils sont reliés à la route là. Putain, c'est une fois que je crée le pont que il me crée des soucis de truc. Un peu con, non? Bah, dégage. Voilà. Ça bouge. Voilà. Quand il y a des problèmes, il n'y a plus de problème. Hop. Peut-être ajouter un petit arrêt de bus. Ici. Voilà. Là, on va créer une ligne de bus. Par contre, ce que je sais pas, c'est comment on voit là nos lignes en fait. Tu vois, parce que là, il me dit que j'en ai deux. Ah, au pire, je fais comme ça. Ouais, vas-y, je supprime les deux lignes là. Hop. Ok. De toute façon, en fait, à chaque fois, j'avais fait une ligne qui allait de là à là, là à là, à là à là. Et du coup, ça, en fait, ça me prenait trop de bus de toute façon de base. Du coup, on va dire que là, ça va être le début de notre arrêt. Non. Parce que là, je voulais le faire en descendant et là en montant. Le problème, c'est que là, je pense que cet arrêt de bus là, il est du mauvais sens. Mais j'ai pas le choix, en fait, du sens, je crois. Ah oui, en plus j'ai même pas connecté la route là, putain. En fait je m'engage dans trop de trucs en même temps. Ce qui fait qu'au final ça me fait... Je perds les aiguilles du truc quoi. Hop, ça de toute façon ça va dégager. Je vais prendre la place pour rien. Ah. Non, c'était un peu occupé quand même. Bon c'est pas grave, ça bouge. Ça on pourra le refaire plus tard, y a pas de soucis. Ah
mis une 3x3, mais là le 3x3 était peut-être pas utile, je pense. Bon, c'est pas grave. On va partir sur un petit rond-point. Et ça, c'est un petit rond-point. Pote, on a tout vu. Ah, mais du coup, qu'ils construisent pas là en fait. Non. Mais en fait, je comprends pas pourquoi ça quand j'ai mis ça, ça m'a enlevé le système de route en fait. Parce que je veux dire, c'est complètement débile. Attends, et si je déplace ailleurs? Mon truc de bus là, enfin ma route là. Après lui, je pense que si je pars comme ça, je fais genre... Là, je peux partir peut-être sur lui là. Hop, je fais tac. Ok. Ah mais ça me nique parce que moi j'ai mis mon arrêt de bus de l'autre côté. Mais d'un côté ça me nique quand même un peu quoi. Bon c'est pas grave, je vais essayer comme ça. Oh ça me l'a accordé sans tout shooter. Alléluia les gars. Et puis est-ce que je fais pas un arrêt de bus? Attends, est-ce que j'ai vraiment pas le choix du sens? Si je me mets ce sens là. Non, j'ai pas l'impression que je puisse le tourner en fait. Je connais même pas la touche pour inverser, pour tourner les trucs de toute façon. Bon. On va dire qu'il va être là. Hein. Écoute. Ouais, ça me saoule parce que c'est forcément en descendant du coup. Bah, au pire, je vais le faire à l'inverse en fait. À l'inverse de ce que je voulais faire. Donc au pire, tu vas faire tac. Tac. Mais ouais, mais c'est le problème en fait. Il va pas vouloir monter. Bah non. En plus, il fait tout le tour de la ville ce con si je fais ça. Alors, attends. Non mais je suis sûr il y a possibilité de le tourner le truc en plus, c'est ça le pire. J'essaie toutes les touches, bon bah les couilles. Non, ok. Ah là tu vois j'ai le choix. Bah vas-y au pire je mets un arrêt de bus comme ça. Hein. Écoute, je vais pas avoir le choix. Ok. Bah après là c'est vrai que dans l'épisode là on n'avance pas des masses. Du coup attends, faut que je commence tout là. Je vais peut-être pas prendre le lycée. Parce que le lycée en soi, en fait, le truc, c'est que le problème... Ouais, si au pire, je prends le lycée. Hop. Hop. Pas qu'il puisse revenir ici. Ah, je fais tac. Tac, tac. Ah, je me suis tombé sur l'arrêt de bus, j'aurais pu juste le mettre là. Ouais. Ah d'accord. Ah d'accord. Tu vas la jouer comme ça en fait. Ok. Donc tac. Tac. Je sais pas ce que je suis en train de faire là. Oui mais il me crée pas ma ligne là. Tac. 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 En fait là en fait on va faire une ligne de bus qui on va dire qui est dédiée à tout ce qui est entreprise. Hop. Ça, je sais pas. Ouais, après je vais le faire venir directement comme ça. Ça me paraît un grand chemin pour pas grand chose là. J'ai pas mis dans le bon sens parce que le mec il fait un demi-tour comme ça. Bon, en attendant, je vais mettre comme ça le truc. On remodifiera par la suite dès qu'on aura vraiment un peu plus agrandi en fait cette zone là.
Parce qu'en fait là elle est pas réellement finie la zone. Du coup, bah là on est bon. Alors attendez, je vais juste essayer de voir. Pour remettre la zone propre là. Enfin la mettre droite. Pour ça, on va partir sur une toute petite route. Ah mais ça me fait chier, je suis obligé de détruire un bâtiment. Ce que je voulais prendre par rapport à lui en fait. Ouais, mais lui est droit. Au pire, je détruis un commerce, c'est pas bien grave. Hop. C'est juste pour voir un truc. Hein. Bah, au final, non, c'est bon. Hop, c'est lui. Faut que je parte de lui. Je fais du 180. Hop. De toute façon, ça va rester. Ça va être nos mines. On va peut-être agrandir la zone justement pour tout ce qui est minier. Et ça, on est d'accord qu'il est pas droit le truc, c'est impossible. Attends, si je me mets à 90. Attends, déjà, j'arrive pas à me mettre à 90 degrés. Donc Ouais, c'est cette route là qui est pas droite. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est juste déplacer le lycée. Hop, le mettre plutôt ici. Non, c'est pareil, il y a un souci. Ouais. Attends, il y a un souci. Reste où t'es. Parce qu'on voit bien que l'écartement là n'est pas le même. Vas-y, ça va rester comme ça, mon pote. Ça va être du. Toi, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Pas ce qui se passe dans la ville là avec les. Ah, quoi qu'attends. Je peux peut-être modifier à partir d'ici en fait. Hop. On passe sur quoi? Sur une 2x2 de toute façon? Ouais. Hop. Là on va faire un petit arrondi. Hop. Attends. Non. Non. On va pas faire l'arrondi que je veux. Ah ok, le jeu il a un peu géré l'arrondi pour moi. Ok, c'est cool. Ça c'est cool. Hop, c'est bon. Revenez ici. Hop, 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 hop. Toi de toute façon ça sert à rien parce que je vais te reconstruire par dessus. Hop. Voilà. Après je sais pas pourquoi à chaque fois ça détruit les maisons à côté en fait. Dans le sens, ça touche pas réellement à l'habitation qui est ici. Hop, on va construire là, tout là. Autre zone pavillonnaire là. Hop, hop, hop. Hop. Ok, on s'occupera des parcs après. Ah oui, vous êtes détruit, c'est normal. Il y a l'antenne relais qu'on va déplacer. Pas l'antenne. L'antenne de communication. On va mettre. Là, pour le moment. Hop. Donc là, on était sur du 2x2. Hop. Hop. Bah en soi là on est droit après hein. Ouais. Bah c'est là que tu vois que ça part en couille en fait. Très clairement. Il y a un truc qui part en sucette ici dans cette ville là. Attendez. Ah, vous avez tout dégagé en fait. C'est ça que vous avez pas compris. On veut quelque chose de propre nous ici. Ah bâtard, ça a shooté l'arrêt de bus par contre. J'ai bien peur que quand ça shoot l'arrêt de bus, ça shoot tout. Ok, bon, on va refaire la route. Bah, de toute façon, je peux la faire maintenant. Hein, de toute façon. De toute façon, là, il n'y a rien de construit pour l'instant. Hop. Hop. Après, ouais, là, c'est vraiment une zone.
me déplacer pour mettre un peu près plus droit là parce que. Attends. Vu que là on est à côté du cimetière, je vais faire une route qui longe le cimetière. Hop. Hop. Voilà, vu qu'il y a pilier, c'est pas grave, on va faire comme ça. Toi, tu vas aller ici. Je vais remettre un arrêt de bus. Est-ce que si je le mets là, il me le prend compte? Non. Voilà, nickel. Comme ça, ça fait un truc en plus un peu plus fluide. Je suis satisfait. J'ai quand même 2000 passagers par jour avec mon bus. Hein. Par contre, le train ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Après. Bon, allez, je vous explique mon plan. Allez, je vous explique mon plan. En fait, ce que je voulais faire, c'est que là, tout en haut, augmenter un peu la hauteur du truc. Genre, voir le doubler, voir le tripler. Ah, peut-être le doubler, tripler, ça ferait peut-être un peu haut. Donc, du coup, ça ferait vraiment une zone à hauteur. Enfin, une zone haute. Et voilà, faire vraiment un coin de riche et réserver vraiment que pour tout ce qui est véhicule électrique. Parce que après, je sais qu'on a la possibilité, normalement, dans les trucs, d'enlever tout ce qui est véhicule polluant. Et mettre que des véhicules électriques dans la politique de la zone. Et du coup, bah là, on pourra relier comme on veut. Après, je crois pas que ça soit possible, mais en fait, peut-être créer une. Si c'est possible, hein. J'essaierai, mais je ferai sans off, un truc comme ça. Et du coup, monter, ça fera genre une île, mais plus haute. Et en fait, voir si on peut faire un système d'arche. Mais je crois pas que ça soit possible, parce que le jeu est supposé monter toute la terre et pas en système d'arche en fait. Où ça, on verra. Qu'est-ce qu'il a lui? Attends, d'ambulance. Ok. Du coup là on est plutôt propre. Ça je pense que je vais tège. Et je vais mettre directement en fait les immeubles à capacité commerciale. Je sais pas si ça se dit comme ça mais... Hop, hop. Hop. En fait tu vois tout ce qui est là. Alors il y a juste cette zone là où c'est un peu plus immeuble. Mais là on va partir vraiment sur des logements à densité élevée. Je sais pas quel type d'immeuble ça donne. On va voir ça. On n'en a pas encore posé. En sachant qu'après il faudrait qu'on déplace. Parce que là il y a le cimetière. Mais le cimetière ouais, il a une capacité de 5000. On est qu'à 135 pour l'instant. Et on a le crématorium qui est par là dans la ville. C'est quoi ça? Base des commerces. Ok. Là, ce qu'on peut faire, c'est acheter la zone. Ici. Ouais. 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 Non. Ah, si, je pourrais. Je mets du bois ici. Vas-y. Hop. Parce que là, on voit, ça va me permettre de faire tout ce qui est minier. Hop. Après, le problème, c'est que la zone n'est pas hyper droite par rapport à ce que je fais depuis tout à l'heure aussi. Hein. Est-ce qu'on n'essaiera pas d'arranger ça, justement? Alors, est-ce que si par exemple je pète ici... Ouais, non, ça va, ça me prend pas en considération. Je vais juste faire comme ça. Ok, normalement, ça a l'air d'être bon. Si je fais 90 degrés... Oh, on est bon. Ah, on va commencer à avoir une ville assez balèze. Hein. Du coup, là, je suis bien à 90 degrés. Ah, bizarre. Ah, si, pourtant, je suis bien à 90 degrés. Ok. Je vais juste améliorer ce type de... Enfin, tu vois, quand t'améliores, c'est pas réellement top. Hein. Par rapport à une route déjà existante, par exemple. Là on a vu, tu vois, ça prenait soit à droite soit à gauche, mais ça prenait pas réellement le milieu du... Alors, c'est je faisais quoi là?
Je sais pas, c'est pas marqué. Roche, ouais. Du coup, je vais agrandir la zone, donc on a la possibilité. Hop. On va prendre toute la zone. Hein. Je vais agrandir en même temps celle-là. Ah ouais, attends, par contre, je suis limité là. On va peut-être plus partir comme ça. Il y a un truc de pas droit. Hein. Parce que l'autre, je l'ai pas mis à 90. Là, c'est à 99. Ok. Attends, comment on fait pour faire un truc droit là? Alors, si je le mets à 100. 180. Ah, c'est peut-être parce que le terrain n'est pas droit. Je sais pas. Là, je pourrais pas te dire. On va rester comme ça. Non, le plus simple, c'est que je me lie avec une route. Alors, j'ai pas besoin de faire des 2x2 partout, hein, bien évidemment. Non, mais on est d'accord qu'il y a un droit, là. Wesh, eh, pourtant, j'ai pas picolé. Promis. Ok. Ok. Je pense à la zone que je suis en train de faire, elle est un peu trop grande du coup par rapport à ce que je peux faire en... avec sa capacité à lui. Oh non, oh, on est limite mais ça peut passer. Mais du coup ouais, c'est juste là où c'est pas bon. Hop. Mais excuse-moi, 90 degrés c'est toujours pas droit, hein. Je suis désolé mais... Y'a un truc qui est pas droit dans ma ville. On est d'accord. Non mais. Pourquoi tu. Voilà, merci. Ah, là je dis oui. Voilà. Là on est d'accord. Ok. Hop, ça c'est bon. On va s'occuper de lui. Lui pareil. Par contre, je peux pas agrandir de masse. Ah merde, en fait, j'étais déjà à la limite, en fait. Attends, mais attends, il y a des trucs que je comprends pas parce qu'elle me dit que je suis à 90. On est d'accord que je suis pas à 90, c'est pas possible. Le jeu, il picole. Enfin, c'est quoi, je vais rétrécir, c'est pas grave. Je vais faire pareil, je vais faire la zone avec ma route. Et que comme ça que je sais que c'est réellement droit parce que... Ok, bah déjà si je le mettais... Eh quoi qu'il y a moyen que ça soit droit en fait. Hein. Bon après le seul truc c'est que là forcément je suis hors zone mais... Je serai un peu hors zone par rapport à ça, mais... Ok. Après, ce que je peux faire, c'est au lieu de partir de là. Okay. Non, pour le jeu, là, je suis réellement 90 degrés. Mais c'est chelou, gros. Non, c'est chelou. Non mais attends, mais ce que je voulais c'était pas de construire la route, c'était de le modifier. Hop. Ok. On est d'accord que ça paraît pas droit. On est d'accord. Ah non, même pas rien. Ouais non mais c'est ce que je disais en fait c'est... Bon, son angle est bizarre parce qu'il me dit 90 degrés mais je suis pas à 90. Oh, c'est bizarre. Parce que là, je voudrais voir à combien il me met du coup. Ouais, 93 degrés. Bizarre. Hein. Bizarre. Hein. Hop. Du coup, là, on va créer une autre zone. C'est dans quoi déjà qu'on voit ça? Ah, pardon.
Alors, pétrole, j'en ai pas dans le coin. Le pétrole, c'est là-bas et là-bas. Extraction de minerai. Celui-là, je crois que c'est du charbon que je... Ah, quoi que, attends. Roche. Charbon. Ouais, non, en fait, j'ai les deux. J'ai roche et charbon. Ok. Là, on va juste rajouter du minerai. Du minerai qu'on va mettre ici, à peu près. Prendre une grande zone quand même. Hop. 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 Là, ça me paraît droit. Là, on se dit... Là, je dis oui, tu vois. Enfin, ouais. Non, mais là, c'est parce qu'on voit que le terrain, il est pas droit. Mais sinon... Sinon, ça ressemble à ça, quoi. Hop. Hop. Ouais, je défoncerai la route après de l'autre côté. Pourquoi tu veux pas, hein? Ah, t'es un emmerdard comme ça? Ça veut dire que je suis obligé de... Ouais, c'est pas grave, vas-y. Je vais prendre un comme ça. Là, il veut pas, effectivement. Là, il veut toujours pas, très bien. T'es toujours un emmerdeur, on a remarqué. Hop, 90 degrés, on est comme ça. Hop! Voilà, là, on a une bonne zone. Après, là, on va rajouter du bois. Alors là, déjà, on a une zone de bois. Ce qu'on peut faire, c'est là rajouter beaucoup de bois aussi. Ah, au niveau du budget, on est positif. Qu'est-ce qui nous met dans le vert? L'éducation et la recherche, on a plus 10 000. Là, plus 35 000. On est plutôt pas mal, hein. On a les pompiers qui peuvent nous rapporter de l'argent. Il y a la police, transport. Transport, je suis à plus de 20 000. Et je pense que je vais peut-être augmenter un peu le budget. Parce que je sais qu'il me manque pas mal de... pas mal de bus, si on regarde comme ça. Après, la ville a pas beaucoup augmenté parce qu'on était en vitesse 1 depuis tout à l'heure, mais... Et d'ailleurs, pour info, j'ai enlevé le cycle jour-nuit du jeu. Et je l'ai laissé en jour parce que... relou sinon. Là, par contre, il y a un embouteillage. Après, l'embouteillage peut être dû... Ok, il y a des ombres chelous ici. Je sais pas pourquoi le bus il s'arrête en plein milieu en fait. L'embouteillage est dû au fait que... Ils vont tous à droite. Enfin, t'en as beaucoup qui vont à droite. En fait, t'en as beaucoup qui sortent de la ville. De toute façon, je vais rajouter une ligne de bus. Il va faire... Tac. Tac. Et genre, il va. Vas-y, je vais les faire arrêter là. Tac. On va dire pour repartir ici. Et après, revenir. Je suis, on va dire. Voilà. Non, c'est pas bon? J'ai l'impression qu'il l'a validé. Bon, c'est pas grave. Et peut-être le seul truc qu'on va faire là, c'est peut-être faire un passage piéton. Enfin, un passage. Ah oui, normalement on peut rajouter des passages piétons. Yes. De toute façon, il y a déjà des passages piétons là, pourquoi je me fais chier. En fait, je voulais faire un chemin. Par contre, je sais pas du tout où ils sont. Ah, c'est ça. Petit passage là quoi. On peut faire un petit style, on peut faire partir genre comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Lui qui va partir. Non. On va partir comme ça, comme ça,
Et comme ça. Le problème c'est qu'attends, je voulais le faire en fait où j'avais mon arrêt de bus. Mais je crois que l'arrêt de bus c'est pas si loin que ça en fait. Nous l'arrêt de bus. Oh l'arrêt de bus là. Oh, en vrai ça va, ils peuvent passer à pied là non? Entre les deux. Et après ce qu'on peut faire ici, c'est juste planter des arbres après. Je sais pas c'est quoi l'arbre le plus grand qui est dans le jeu. Voilà, voilà. Un petit, comme ça entre les maisons ça va combler. Voilà, de toute façon on va peut-être reconstruire après par là donc hop. Hop, voilà, un peu de verdure. On va changer d'arbre un peu, on va mettre celui-là. Tiens. Hop. On va augmenter la force du pinceau, on va mettre beaucoup plus d'arbres. On a besoin d'avoir des arbres dans la ville. Est-ce que je paye à chaque fois ça plante un arbre? Oui. Eh, regarde le pognon en bas à droite, comment il descend vite. Ok. Ah, après, c'est le problème, c'est que ça met du temps à spawn. Donc, bon. Et voilà. Voilà, comme ça, on a une rive beaucoup plus belle, je trouve. Bon, y a juste là où il y a un petit défaut, mais... On va arranger ça vite fait, bien fait. Non, alors après, est-ce que je peux... Voilà, on va faire comme ça. On va mettre tout au niveau de l'eau en dessous, là. Hop, voilà. Après, on va le... Hop. Voilà. Hop. Bon, même si c'est sous l'eau, on essaye un peu de faire un truc propre. Parce que... Hop. Voilà, ça cache un peu. Hop. Oh, même s'il y en a un peu sur le bord, ça va, ça fait pas vilain, je trouve. Hop. Et bah voilà, les gars. On a avancé un petit peu sur la ville. On a rectifié un petit peu les trucs de traviole. On a rajouté un petit peu d'habitation, mais pas trop. On a refait sur tout ça là. Qui me paraissait pas forcément beau. Là ça s'est désengorgé. On a modifié le parking qui fait qu'on a plus d'embouteillage à ce niveau là. Du rond-point. Parce que le problème c'est qu'ils voulaient tous rentrer. 58. 60. Après on pourra toujours ajouter un petit parking autre part. Mais le fait de les mettre comme ça, ouais, ça prend beaucoup moins de... Ouais, par contre j'avais pas prévu ça, je pensais pas qu'en fait les mecs ils allaient franchir une ligne blanche pour aller dans le parking en fait. Aïe. C'est du coup en fait le... ça va créer un bouchon ici là en fait. Ça c'est pas prévu. Ça va, on est dans le... Et franchement on finit dans le positif donc c'est cool. Là on est pas trop mal pour l'instant. Du coup les petits potes, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine. On va suivre d'autres aventures. Allez, ciao tout le monde.